Edgar Morin, vous êtes le penseur de la complexité. Le sport, le phénomène sportif, comme tout phénomène culturel, peut être envisagé comme un phénomène social total, pour reprendre les termes de Marcel Mauss, c'est-à-dire faire l'objet d'une approche pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire, ce qui est au fond rarement le cas. Oui, parce que les grands problèmes nécessitent de lier les connaissances des différentes disciplines qui sont séparées. Et c'est pour ça qu'on n'est pas capable de traiter les problèmes qui, effectivement, touchent à plusieurs domaines. Et donc, on ne les traite que d'une façon partielle. Et de plus, je pense que vous dites le sport, mais le mot le sport recouvre les sports, mais recouvre aussi différentes façons de le pratiquer. Il y a le sport à l'école, il y a les sports de compétition, il y a du ping-pong au rugby. La question est de savoir un peu ce qui d'abord unifie tout ça. Moi, je crois que la première chose, c'est évidemment la performance. Hein. Quel que soit le sport, l'âge, etc., on cherche une performance. Et dans beaucoup de sports, cette performance, elle est liée à la compétition. Bien entendu, il y a des sports qu'on peut faire en solitaire, comme du vélo. Mais moi, je crois que si vous parlez du sport, je pense qu'on, comme phénomène total, vous parlez des sports comme le football, le rugby. Pourquoi ? Parce que non seulement il mobilise des foules, des fanatiques, mais surtout quand il s'agit de sports professionnels, ils attirent évidemment le profit, les puissances d'argent. Et par exemple, il y a le phénomène que des joueurs professionnels valent très cher. Ceci peut sembler scandaleux, mais a priori, mais a posteriori, pour moi, pas tellement. Parce que de même que c'est la rareté d'un Picasso ou d'un Derain qui fait que son prix est très élevé, c'est la rareté de la qualité d'un grand joueur qui fait que son prix soit très élevé. Bien entendu, ceci n'est possible que parce que des puissances d'argent très fortes sont attachées à des clubs et effectivement permettent ces achats. Mais enfin, c'est surtout, moi, dans l'environnement, c'est-à-dire, j'aime pas trop que les joueurs, lors des grandes compétitions, portent sur leur maillot le nom d'une marque, d'un produit ou d'un objet, etc. J'admets à la rigueur que dans les stades, on voit la publicité partout. Mais enfin, on sent cette invasion. Mais invasion, pourquoi ? Parce que ces grands sports, ces grands matchs mobilisent les foules et que les firmes diverses veulent profiter de cette attraction pour pouvoir, disons, avantager leurs marchandises. Alors, le sport, c'est un phénomène très important, total, comme vous dites. Pourquoi ? Aussi parce qu'il va mobiliser l'amour et l'intérêt, enfin, un club local va mobiliser l'amour et l'intérêt et une sorte de phénomène d'identification. Par exemple, il est même très intéressant que ce n'est pas seulement Auxerre, n'est-ce pas, qui mobilise l'intérêt des supporters auxerrois, mais quand on voit Marseille, l'Olympique de Marseille, mobiliser beaucoup de jeunes beurs de familles d'origine maghrébine et autres s'identifier à Marseille, on voit qu'il y a une sorte de... Le sport crée une sorte de patriotisme, bon, local. Bien que dans d'autres domaines, on retrouve les différences et les antagonismes. Et sur le plan national, c'est assez intéressant de voir que désormais les équipes nationales jouent un très grand rôle dans cette identification patriotique. Et
Le cas du Brésil lui-même est intéressant. C'est un pays dont le patriotisme ne s'est pas nourri par une histoire guerrière antérieure, des victoires, des défaites comme la France avec Bouvines, Valmy, Austerlitz. Bon. Leur patriotisme se nourrit de football, et qui est une gloire du Brésil. Et ce qui est frappant, c'est que ce nationalisme exalté produit dans le fond très peu d'agressivité. Bien sûr, il y a des cas limites de ce qu'on appelle les hooligans, qui, dans certains cas de clubs anglais, ou dans certains cas aussi de clubs parisiens ou marseillais, mais c'est vraiment limite. Et ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que tout en mobilisant une somme énorme de ferveur et une somme énorme de chagrin quand l'équipe est battue, et parfois énormément de colère quand une décision d'arbitre est contestée, que malgré tout ceci, ça se passe pacifiquement. C'est rarissime que l'on voit les supporters d'un camp, d'une nation, d'un club, se ruer contre les supporters des autres. Et donc, moi j'insisterai surtout le caractère fondamentalement pacifique, en dépit des bavures du sport. Enfin, je pense au football, je pense au rugby, je pense aussi aux grandes compétitions comme les Jeux olympiques. Alors le corps, il est évident que le sport ne mobilise pas que le corps, il mobilise aussi l'esprit et l'intelligence, parce qu'il nécessite pensée et stratégie. Il mobilise aussi, je dirais, l'identité que chacun a, localement, voire nationalement. Il va mobiliser tout un secteur économique qui va essayer d'utiliser le sport pour ses propres publicités et ses propres intérêts. Et donc, c'est quelque chose, c'est une réalité profonde et vive de nos sociétés. Vous parlez du football. D'ailleurs, vos références sont essentiellement des références au football. Bon, tout d'abord, gamin, je jouais au foot dans la cour de l'école, mais je n'ai jamais joué dans un vrai stade. Après la guerre, pendant quelques années, j'allais au Parc des Princes poursuivre le stade parisien qui s'appelait le Racing à l'époque. Pourquoi est-ce que j'ai laissé tomber ? D'abord parce que c'était une équipe qui s'est montrée très décevante. Et c'est un peu cette déception. Mais je me rappelle, pendant une saison où j'étais sur la Côte d'Azur, je suivais avec beaucoup d'ardeur aussi bien Monaco que Nice. Donc je me suis toujours intéressé au football, mais la télévision m'a fait de moi un passionné des compétitions mondiales ou des grandes compétitions, comme du reste des compétitions de rugby, les cinq nations devenues six. Je crois qu'on ne peut être que passionné, une fois qu'on est dans l'intérieur du sport, à cause de ce qu'on appelle la glorieuse incertitude du sport, le côté aléatoire, l'inspiration qui saisit une équipe. Vous savez, c'est comme dans le flamenco, on appelle le duende. Le duende, c'est le moment où le génie de l'inspiration saisit l'artiste qui donne le meilleur de lui-même. Une équipe, ou bien c'est un agrégat de 11 joueurs qui ne se comprennent pas, ou bien brusquement, il se produit, il y a une seule unité avec 11 têtes et 11 pieds. Alors, donc c'est ça que je trouve très, très beau. Et en plus, cette mobilisation psychologique, personnellement, quand il y a le mondial, et notamment quand il y a eu le mondial où la France était victorieuse, j'étais très mobilisé, mais j'aimais beaucoup l'Italie aussi, qu'on a vaincu du reste, mais quand la France est hors jeu, moi je me sympathise, bon, les équipes, je sympathise toujours avec le Brésil, je sympathise avec l'Italie, je ne sympathise pas avec les Allemands parce qu'ils sont trop costauds,
ils n'ont pas le jeu méditerranéen, ils n'ont pas, ils sont plus en puissance, en force et peut-être même en rigueur que les autres. Par exemple, pour moi, Maradona, c'est une pure merveille, parce que c'est un petit bonhomme qui se glissait comme ça, on ne sait pas comment, comme un feu follet, et qui arrivait devant les bulles. Il y a des joueurs merveilleux comme ceci. Et puis il y a des moments de grâce, quand Zidane a reçu vraiment un corner quasi téléphoné sur sa tête et qu'il a marqué à la finale du Mondial. Il y a des moments merveilleux. Et pour moi, cette finale du Mondial était un moment d'extase et que j'ai vécu dans l'extase collective de la France. Alors, je sais bien, il y a toutes les critiques. Bon, il y a la critique économique, mais qui réduit, je crois, ce genre de sport uniquement à l'aspect financier, profit de la chose, et qui ne voit pas le côté jeu, en quelque sorte, pour qui le jeu est totalement dévalué, parce qu'il est environné par l'argent. Il y avait une autre critique, plus ancienne, je me souviens très bien, à une époque où il y avait le marxisme dominé, c'était l'aliénation. Et du reste, je me souviens d'un très beau film brésilien qui s'appelait « O Falecida » de Hirschman, très bon metteur en scène brésilien. Alors, c'est l'histoire d'un mec, d'un fan de football, de son équipe, je ne sais pas si c'est Botafogo ou autre. Bon, et sa femme est très malade, elle est agonisante. Et lui, elle est sur le point de mourir. Mais c'est le match. Alors, c'est le match, il va au match, il suit le match avec passion. Et à la fin, quand son équipe marque un but, il crie sa joie, il crie son bonheur. Et puis, une fois que c'est fait, il se rend compte que sa femme va mourir et puis il éclate en sanglots. Mais moi, je ne considère... Alors, l'idée... Pas marxiste, pseudo-marxiste classique, en disant que le sport, ça valait aussi pour le cinéma, c'est une aliénation dont le but est de faire oublier aux travailleurs la mission révolutionnaire du prolétariat et l'exploitation dont ils sont victimes. Moi, je crois qu'on vit sur plusieurs plans. On peut être fanatique de football et être un bon militant syndicaliste ou politique. Je dirais même qu'au cinéma, on révèle souvent le meilleur de soi-même parce qu'on peut sympathiser avec des personnages que dans la vie quotidienne, on verrait de façon unilatérale, comme le parrain, dont on voit que ce n'est pas seulement un criminel, mais un père, un amant. Et pour le football aussi, il y a du meilleur de nous-mêmes qui s'exprime parce que c'est un sentiment d'amour communautaire, c'est un sentiment pas seulement d'amour de soi, mais d'amour de la communauté dont on fait partie. Ce sont des moments de joie. Et justement, dans une vision trop, je dirais, économisto-sociale, qui fait du sport une aliénation, c'est une vision anthropologiquement unilatérale, parce qu'elle oublie qu'un des caractères fondamentaux de l'être humain, c'est d'être homo ludens, l'homme du jeu. Vous savez, on a une vision unilatérale de l'être humain. Si on le réduit à homo sapiens, être de raison, si on le réduit à homo faber, qui fabrique des outils, ou homo economicus, mu par son intérêt. Parce qu'à côté de la raison, il y a la folie, la délire, qui nous menace sans cesse. À côté de l'outillage, il y a la production de mythes, et dont les mythologies nationales et les mythologies d'identification. Et à côté d'homo economicus, il y a l'homme de la dépense, du jeu, et nous trouvons de la joie et du bonheur dans le jeu, même par procuration, quand nous sommes spectateurs. Et au Brésil, à Maracana,
Pour moi, je participe à l'extase des partisans du club qui a fait son goal. Quand je vois les fusées partir de tous les côtés, les tambours battre, les cris, la joie, j'aime, c'est presque, ce sont comme des danses, des séances de possession, mais de possession qui n'a rien de méchant, de bonheur. Ça donne du bonheur. Voilà. Donc, je ne vois pas tous les aspects négatifs. Je ne vois pas qu'il peut y avoir de la triche. Je vois qu'il y a des cas où on peut acheter des arbitres. Je vois que notamment dans certains sports, comme faisait l'Allemagne de l'Est, on peut droguer d'une façon insane les joueurs. Je pense aussi qu'il peut y avoir de la drogue, c'est les joueurs de football. Bien entendu, ce n'est pas le fait qu'ils se dopent qui est le problème. Le problème, c'est que le dopage soit unilatéral et pas des deux côtés. Par exemple, des groupes de rock, avant la séance, ils fument de l'herbe, enfin, ils prennent différentes choses pour les mettre en état, dans cet état second, par lequel ils font jouir le public. Alors, qu'on se dope, à condition que tout le monde se dope également. Et attention, à condition que ce ne soit pas des doses qui peuvent être graves et qui peuvent altérer la santé. Donc, ma vision complexe du sport, c'est d'essayer de voir tous ces aspects, de ne pas le réduire aux ces aspects négatifs, comme le fait mon ami Jean-Marie Brom, un ami que j'aime beaucoup, mais avec qui j'ai ce désaccord fondamental, non pas sur ce qu'il dit, sur la partie critique, mais sur l'absence de vision positive de ce qu'est le sport. Les analyses, les critiques un peu extrêmes, pour ne pas dire parfois trop radicales, de Jean-Marie Brown, elles relèvent aussi d'un certain nombre de présupposés qui appartiennent à l'analyse marxiste, hein, c'est-à-dire de ne retenir de l'homme que sa dimension prométhéenne, l'homme en tant que producteur. Oui. Mais quand on insiste, comme vous le faites, sur d'autres dimensions, sur l'homo demens, l'homme qui délire, le ludens, l'homme qui joue, c'est aussi la perspective de la transgression. Vous parliez d'extase tout à l'heure lorsque vous assistiez à un match de Coupe du Monde. Il y avait une sorte de fusion quasi mystique. Mais la transgression, c'est aussi la violence. Est-ce qu'on peut simplement analyser la violence en termes anthropologiques ? Est-ce qu'on peut, on ne peut pas ne pas aborder aussi la question en termes économiques, politiques, idéologiques ? Le péril de la violence rôde autour de ces matchs. Mais ça n'éclate que très rarement. Et si vous voulez, par exemple, il est certain que la violence qui s'est manifestée dans différentes explosions, dans des banlieues comme à Clichy, comme d'autres lieux, et qui peut revenir à répétition chaque fois que, par exemple, un de ces jeunes de ces banlieues se fasse écraser par une voiture de police ou meurt électrocuté, poursuivi par le... Enfin, dès qu'il y a un événement qui réveille alors un sentiment physique de lutte, d'antagonisme fondamental entre ces jeunes et les policiers, vous avez une violence sociale dont il faut essayer de comprendre les causes. Bon, nous sommes dans un monde où il y a des déchaînements de violence, avec des attentats suicides, des bombes, etc., ce que l'on voit en Irak, en Pakistan. Bon, nous avons vu encore des sortes de génocides au Rwanda. Bon, mais cette violence-là, elle ne se trouve pas dans le sport. C'est-à-dire qu'elle n'affecte le sport que très légèrement. Alors, c'est vrai qu'il y a eu ce match Algérie-Égypte qui a suscité chez les supporters d'origine maghrébine d'ici, des sentiments
très violent et qui surtout qui a sur place a suscité des actes de violence. Ce sont des choses qui arrivent, qui peuvent arriver, mais l'intéressant, c'est que ce n'est pas la norme. Et peut-être qu'ils peuvent arriver dans des conditions paroxystiques où il y a d'autres raisons qui font supposer que des raisons politico-sociales qui permettent à cette violence de s'exprimer. Mais s'il n'y avait pas ces antagonismes politico-sociaux, je crois qu'elle ne s'exprimerait pas tellement. Parce que je pense à une remarque qui, de Jean-Marie Brown, qui a une certaine pertinence, c'est de se demander si le sport est simplement bon, le reflet de la société, de ses contradictions, de ses violences, etc. Ou bien est-ce que le sport ne devient pas finalement une sorte de norme de règlement des différences sous la forme d'antagonismes, qui sont des antagonismes qui sont toujours d'une certaine manière guerriers, entre guillemets. Et cela ne serait pas gênant si le sport avait un effet cathartique, si ça sublimait finalement les antagonismes. Mais est-ce qu'aujourd'hui on ne s'aperçoit pas que la violence sportive, c'est une violence qui n'est pas du tout purifiée ou purgée, enfin, c'est une violence qui au contraire se trouve presque exacerbée. Pensons au Hesel, pensons à bien des exemples. Oui, mais c'est toujours des cas, je crois, limites. Le sport, effectivement, est une chose qui, comme un point d'un hologramme, porte le tout de la société en lui, incontestablement. Mais il porte sa singularité en lui. Sa singularité, je le répète, c'est le jeu. Tant que le jeu demeure, quand le jeu ne dégénère pas, c'est le jeu. La démocratie, c'est un système qui se nourrit d'antagonisme d'idées, d'antagonisme d'opinions. Mais tant que cet antagonisme ne dégénère pas en coups et blessures et en coups d'État, la démocratie ne peut fonctionner que parce qu'elle se nourrit de ces antagonismes. Donc, le vrai problème, c'est quelles sont les règles qui permettent aux antagonismes de s'exprimer, conflits d'idées, conflits d'opinions, conflits politiques, sans que ça devienne des antagonismes physiques et de coups. Le sport, qui est un élément profondément physique, puisque c'est le corps qui est en jeu, ne se dégrade très rarement en coup. Oui, parfois, vous voyez, à un moment donné, un ou deux joueurs d'une équipe vont agresser les deux ou trois autres joueurs de l'autre équipe, parce qu'ils pensent que celui-ci a fait je ne sais quel coup bas. Bon, l'arbitre intervient. C'est-à-dire, le péril de la dégénération en violence est contrôlé par l'arbitre et par les juges de touche. La démocratie, il y a un contrôle aussi qui est fait par le vote, etc. Mais tout système vivant, et je dirais démocratique, est à la limite, vit à la limite du danger. Du reste, la démocratie manque du système qui lui permettrait d'empêcher un parti totalitaire arrivant légalement, ayant légalement la majorité aux élections, de prendre le pouvoir, phénomène qui est arrivé en Allemagne. Bon. Donc, c'est vrai, nous sommes dans un monde où la violence s'accroît, où la violence délirante s'accroît, et quand même, c'est curieux que dans ce monde-là, le monde du sport ne soit pas tellement entraîné, qu'on ne lance pas des bombes dans le stade ou dans les tribunes, enfin, qu'on ne voit pas tous ces phénomènes que l'on voit dès qu'il s'agit de conflits politiques, sociaux, nationaux, éthiques et religieux. Actuellement, c'est beaucoup plus violent ce qui se passe entre les religions que ce qui se passe entre des équipes. Qu'on revienne, parce que sur la place du sport dans nos sociétés contemporaines, c'est pas simplement la place du sport comme loisir, c'est aussi la place du sport à travers ses normes qui concernent le corps, qui concernent par exemple la santé, qui concernent l'impératif de rester jeune, l'impératif de la forme. On s'aperçoit que le sport, ici, relaie ou édicte, hein, c'est assez compliqué, enfin en tout cas un ensemble de normes qui constituent les valeurs dominantes de notre société. Les valeurs
dominante de notre société, ce que j'avais exprimé dans mon livre qui s'appelle « L'esprit du temps, Paris » en 1961, c'est le culte de la jeunesse, de la beauté, tous les moyens pour ne pas vieillir, pour rester séduisant, séducteur, séductrice, etc. Bon, ça c'est le fond de notre civilisation. Et pour atteindre ces finalités, alors, il y a d'un côté, effectivement, l'exercice physique qui permet de ne pas avoir de l'embonpoint. Il y a le jogging ou la marche à pied qui donne la forme. Enfin, on peut dire que les activités gymnastiques ou sportives sont un élément pour atteindre cette finalité. Mais à côté de ceci, je vois des ingrédients purement mythologiques. Ce sont tous ces produits que nous vendent des publicités, et surtout à l'époque des fêtes où on va faire des cadeaux, où ce sont des crèmes, ce sont des onguents, ce sont des choses qui vont enlever les rides, qui vont assouplir la peau. Enfin, toute une série de produits dotés d'une forte valeur mythologique de jeunesse, beauté, séduction, et qui, dans le fond, c'est ça, à mon avis, que je trouve le côté un peu désolant de l'affaire. D'autant plus que la seule jeunesse que l'on peut considérer conservée avec l'âge, c'est évidemment la jeunesse du corps, la jeunesse de l'esprit. Et la jeunesse du corps et la jeunesse de l'esprit peut-être est plus importante que la jeunesse du corps. Oui, mais enfin, ça c'est sans doute. Mais la jeunesse du corps, elle requiert un certain nombre d'adjuvants, à la fois l'idéal de pureté, l'idéal de forme, et en même temps, il faut apporter un certain nombre d'éléments de substitution. Ça nous conduit au dopage, hein, au dopage soft, s'il s'agit simplement de se nourrir d'oméga 3, et puis ça peut être plus dur. La question est de ça. Oui, parce que est-ce que le mot de dopage vaut pour tous les produits? Parce que si vous prenez des excitants énergétiques, vous pouvez dire que vous vous dopez pour pouvoir faire vos performances. Si vous prenez de l'oméga 3 dans l'idée que c'est ça qui est un antioxydant et qu'il empêche le phénomène d'oxydation, donc de sénescence de se produire, c'est plus un dopage. C'est peut-être une erreur, c'est peut-être une illusion, c'est peut-être juste, j'en sais rien, mais c'est pas du tout la même chose. Ce qui s'est passé, c'est quand même, vu les limites de la médecine officielle, il y a eu cette recherche dans une sorte de paramédecine périphérique de trouver des produits qui vous aideront à être en forme. Mais, à mon avis, être en forme, c'est très important pour un sportif. Mais ce que cherche le sport, c'est la performance, et pas seulement la forme. Ce que demande un humain ordinaire comme moi, c'est de ne pas être complètement ramolli le matin quand il se lève et de pouvoir faire ses activités. Donc, moi, je crois qu'il y a un juste regard critique sur notre civilisation, avec l'invasion de la publicité qui se sert de notre aspiration à rester jeune, beau, séduisant, etc., pour nous fourguer des produits qui peut-être n'ont aucune efficacité dans ce sens-là, et l'autre aspect qui relève un petit peu d'un minimum de rationalité, qui consiste à dire le vrai problème, c'est de ne pas sombrer dans l'égocentrisme, dans la manie, dans la refermeture à l'égard des autres, dans le ressentiment, dans la méchanceté, etc. Bon, ben c'est ça qui peut aider les gens. Moi, j'ai été très frappé quand j'avais fait mon enquête à Plouzévette en Bretagne, de voir des Bretonnes qui parfois ne
ne parlait pas le français, à cause des bigoudaines, visages ridés, mais des visages magnifiques de femmes. Parce que c'est des visages ouverts, des visages pleins de compréhension. Par rapport à des visages de femmes de ville qui, à 40 ans, semblent desséchées, durcies. Et pourquoi ? Sur durcissement. Parce qu'elles se disent, mon Dieu, je ne pouvais plus plaire, je vais perdre mon mari ou je vais perdre mon amant. L'idée de perdre le pouvoir de séduction est quelque chose de terrible. Elles oublient qu'il y a une autre façon de garder un pouvoir d'attraction. Et donc, si vous voulez, je crois que il y a un mal de civilisation. Mais je ne crois que le sport peut y participer, mais ce n'est pas un élément central dans ce mal. Vous parlez de la performance, de la compétition. Ce n'est pas simplement un élément qui permet banalement de définir le sport. Ça a aussi des effets dévastateurs. C'est une course en avant, sans fin. La performance, c'est une chose, si vous voulez, qui consiste à donner, atteindre le meilleur de ce que l'on peut faire. Bon, la performance dans les Jeux Olympiques liée à la compétition, à l'hypercompétition, conduit à faire le 100 mètres dans un temps absolument record, etc. Bon. Et c'est ça qui fait qu'un certain nombre d'athlètes se dopent pour réaliser cette performance, parce que c'est une gloire mondiale que d'avoir, de gagner aux Jeux Olympiques. Mais la compétition en soi fait partie de la vie sociale. C'est ce qu'on appelle la concurrence en économie, c'est ce qu'on appelle la compétition dans les élections entre partis politiques. C'est pas la compétition, antagonisme, conflit. Ce sont des choses importantes à condition qu'elles soient régulées et qu'elles ne dégénèrent pas. Pourquoi la concurrence économique dégénère ? C'est qu'à partir d'un moment, un partenaire économique devient très puissant, élimine les autres et devient le maître monopoliste et devient un trust monopoliste. Qui est mauvais ? C'est le monopole. La compétition, la concurrence entre les journaux, c'est une condition sine qua non dans notre bonne information. Si la presse tente à se réduire et être sous la coupe de pouvoir économique, nous perdrons beaucoup de cette possibilité. Mais j'ajoute qu'il ne faut pas voir la vie sociale uniquement sous l'angle de l'inévitable compétition, conférence, conflit, mais sous l'angle complémentaire de la solidarité et de la communauté. Si vous avez de la concurrence et de la compétition sans communauté, sans solidarité, vous avez une société dégradée. Et comment se fait cet équilibre ? Ah, comment il se vous fait ? Me dites qu'il se règle, mais qui règle ? Hein ? Il y a une sorte d'auto-règlement dans une société, celle que vous appelez de vos voeux, qui est une société... Il devrait se faire, parce que nous sommes dans des sociétés qui ont beaucoup perdu le sens de la solidarité et de la communauté. Et justement, la communauté et la solidarité renaît de façon éphémère lors d'un match de football où on va voir son équipe locale. Mais c'est un problème politique et social. Nous avons des problèmes politiques et sociaux fondamentaux parce que notre société occidentale est en crise, mais toutes les sociétés traditionnelles sont en crise. Nous avons des problèmes de fond. Mais on ne peut pas imputer au sport la responsabilité de tous ces problèmes et on ne peut pas faire du sport le salut pour tous ces problèmes. Parce que là, vous reprenez deux catégories qu'une jeune philosophe qui travaille dans votre centre, d'ailleurs, du CNRS, qui s'appelle Isabelle Queval, et elle montre bien la distinction et l'opposition entre l'accomplissement de soi et le dépassement de soi. Lorsqu'il y a un accomplissement de soi, on tend vers une sorte d'excellence, mais cette excellence, elle n'est pas de même nature que la poursuite perpétuelle, finalement, de quelque chose qui serait toujours au-delà et qui est la logique de la performance qui domine un peu notre société. Ça vaut aussi au plan scolaire. Oui, mais vous avez regardé ce qui se passe partout, dans les entreprises,
dans les cabinets ministériels, avec le coaching, avec le débriefing, avec tout ça, c'est rentabilité, efficacité. Partout, il y a une sorte de logique. Regardez la FNAC qui était créée par deux militants qui voulaient, où les vendeurs étaient là pour aider. La FNAC est devenue un truc commercialisé, industrialisé, où les malheureux vendeurs sous-payés travaillent comme des dingues partout. Vous avez regardé tous les suicides à France Télécom et ailleurs. On vit sous la dictature du management. Avant, on disait « Ah, c'est le système Taylor qui est affreux parce qu'il y a le contre-maître de travailler à la chaîne. » Maintenant, c'est pire que ça, parce que les règles de productivité, de rentabilité, etc., règnent partout. Alors ça, c'est une chose épouvantable. Et bien entendu, on peut dire que l'entraîneur demande à ses joueurs « Gagnez, vous aurez une grosse prime, et si vous ne gagnez pas, vous n'aurez pas la prime, bien entendu. » Mais ça joue moins, si vous voulez, dans cette sphère-là, parce que pendant le temps du jeu, c'est un jeu qui se fait sur le terrain et où jouent les initiatives, les passes, les combinaisons, etc. Alors que ce terrain est relativement isolé. Alors que les types qui sont spectateurs, eux, vont revenir, on va leur demander le rendement maximum, toujours plus, même dans les cabinets ministériels maintenant. Avant, il y avait TU, très urgent. Maintenant, on leur dit de faire TTU, très 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 urgent. On leur demande toujours rapidité, vélocité, chronométrie. Et ça, c'est une pression fantastique. Le sport l'a subi, mais pas tellement que les autres secteurs de la vie économique. Donc ne vous choque pas la formule olympique, une sorte de maxime, sicus altus fortus, plus vite, plus haut, plus fort. Dans le cadre olympique, ça signifie que le plus qui est demandé, c'est-à-dire le quantitatif, est inséparable d'un développement qualitatif, je veux dire des mouvements, de l'art de sauter, de toutes ces choses-là. Et il m'en a en quelque sorte un accomplissement esthétique. Alors que la devise du toujours plus dans le reste de la société, la croissance toujours plus, la consommation toujours plus, le PIB, toutes ces choses-là, elles, ont quelque chose de désolant parce que le quantitatif masque plutôt, l'hégémonie du quantitatif fait oublier la valeur du qualitatif, de la qualité de la vie, etc. Alors pour moi, un beau spectacle sportif fait partie d'un élément de la qualité de la vie. Peut-être que c'est très fatigant pour les joueurs qui se battent sur le terrain, mais en même temps, ils éprouvent eux-mêmes une satisfaction propre, alors que cette devise conduit la planète à la catastrophe, parce qu'on nous dit de faire toujours plus, plus, plus. Alors donc, vous comprenez, il faut voir les différents niveaux de réalité où ça se passe. La compétition olympique est quelque chose dont les beautés dépassent les laideurs. Que vous inspirent des événements récents, un peu moins récents, comme une Marseillaise qui a été sifflée par des spectateurs d'un match de football, ou plus récemment, lorsque l'on voit qu'à la suite de la victoire de l'Algérie sur l'Égypte, les jeunes beurs, par exemple, sont descendus dans la rue pour manifester leur soutien avec passion, alors qu'au même moment, la France venait de gagner contre l'Irlande, c'est vrai, avec un geste litigieux. Toujours est-il que pensez-vous de ces manifestations délibérées, au fond, d'appartenance
non nationales, enfin, au profit de symboles liés à leur famille, ou une manière aussi de marquer une opposition à la société dans laquelle ils vivent. Ça nous conduit au problème, au fond, de l'identité nationale. Donc, en deux temps, d'abord, que pensez-vous de ces phénomènes? Et puis, que pensez-vous de la question de l'identité nationale à partir du phénomène sportif? Tout d'abord, le fait que la Marseillaise ait pu être sifflée, ou bien même quand on voit qu'on joue la Marseillaise, qu'une partie des joueurs la chante et qu'une partie ne la chante pas. Bon. Tout ceci est un signe. C'est un signe de quoi? C'est un signe que dans la jeunesse, immigrés, même de la deuxième génération, nés en France avec des papiers français, tout ça. Le rejet qu'ils subissent de la part, je ne dis pas de l'ensemble de la société française, mais de la part de la police qui multiplie les contrôles aux faciès, de la part des entreprises qui leur donnent plus difficilement du boulot qu'à d'autres. Des logeurs. Moi, je connais un ami noir qui est né à Marseille et qui, depuis 3 ans, cherche un logement. Dès qu'on voit comme il est noir, on ne lui donne pas. Bon. Tous ces gens-là qui se sentent rejetés, rejettent ceux qui les rejettent. J'ai vu à des discussions, moi j'étais au lycée de Clichy-sous-Bois, j'ai parlé, j'ai enseigné, j'ai parlé à tous ces... Je vois très bien qu'il y a deux réactions. Il y a ceux qui disent, moi... Oui, je suis français et dans le fond, moi, je veux faire partie de cette communauté nationale. D'ailleurs, c'est tout à fait logique puisque, comme vous le savez, aussi bien Renan, enfin, les grands penseurs du XIXe siècle, définissaient la France non pas comme par le sang et par le sang et par la race, mais la définissaient par une volonté commune. C'était l'époque où il y avait le conflit avec les Allemands sur l'Alsace-Lorraine. Les Allemands disaient, ils sont des teutons comme nous, ils mangent de la choucroute, ils parlent allemand. Et les Français disaient pas du tout, ils veulent être Français. Et déjà, à la Révolution, c'était le 14 juillet 90, les fédérations de provinces disant, nous voulons faire partie de la grande nation. Bon, alors, l'acte d'adhésion, d'être Français, c'est un acte d'adhésion que l'école favorisait. À mon temps, on devenait français par l'incorporation de l'histoire de France. Or, il est difficile, et pour une partie de ces jeunes qui se sentent rejetés, nous rejettent, ils disent, pour moi c'est des papiers, et c'est en plus, c'est un papier, un chiffon de papier. Pas un chiffon, puisque ça leur est très utile. Donc, tout ceci témoigne du fait que ce processus séculaire de la France qui intègre des émigrés en 2 générations, etc., ce processus, il a des ratés aujourd'hui, il continue à fonctionner plus ou moins, mais il a beaucoup de ratés, et ce sont ces ratés que témoigne le refus, le sifflet pour la Marseillaise. D'autre part, c'est vrai qu'il y a eu le match France-Irlande, et Algérie. Et c'est intéressant de voir que beaucoup de ces jeunes, aussi d'origine maghrébine, ont senti cette identification très profonde avec l'Algérie plutôt qu'avec l'Égypte. C'est-à-dire qu'on voit qu'il reste des sentiments de communauté, mais qui n'excluent pas pour autant, puisque je vous l'ai dit, à Marseille, il y a beaucoup de jeunes beurs qui s'identifient à l'équipe de Marseille. Et puis, quand il y a eu la victoire de la France au Mondial, on peut dire que ça a été unanime et que Zidane a été idolâtré, pas seulement par les Français, de souche, comme on dit, mais par les autres. Donc, mais toutes les choses que vous indiquez, c'est un test sur l'état actuel de l'intégration en France, notamment pour tous ceux qui viennent d'Afrique du Nord, parce que tu as les rejets. Il y a aussi le sentiment, parce qu'il y a un sentiment de communauté avec la Palestine, que le monde occidental a 2 poids, 2 mesures s'il s'agit de... etc., etc., sans pour les restes de la guerre d'Algérie. On comprend tout ça.
Mais voilà, et ça se répercute sur le sport. Mais est-ce qu'en l'occurrence, le sport ne se trouve pas de façon presque déplacée, intempestive, investi d'enjeux ou de valeurs nationales ? Est-ce que le fait, par exemple, de chanter la Marseillaise lorsque l'équipe de France va jouer, est-ce que ça va de soi ? Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de déplacement symbolique contestable ? Écoutez, moi, je trouve toujours très émouvant quand je vois chaque équipe nationale, les joueurs chanter très pénétrés leur hymne national. Moi, je trouve que c'est une belle chose. Voilà. L'identification par le chant, au chant qui symbolise sa patrie, ça me semble toujours très beau. Alors donc, pour moi, non, je pense que c'est bien. Il fut un temps où un ministre vous avait chargé de réfléchir à une réforme des programmes de l'enseignement secondaire pour essayer d'appliquer en particulier cette complexité que vous avez pensée, pour essayer de créer des ponts, des passerelles, essayer de décloisonner, penser autrement. Quelle était la place du sport dans cette réforme ? Moi, je n'ai pas pensé pourquoi. Pour une raison, c'est que le sport existe et que moi je cherchais à introduire dans l'enseignement ce qui manque. Et qu'est-ce qui manquait ? Il manquait des grands thèmes qui nécessitent des connaissances de plusieurs disciplines pour être traités. Autrement dit, des thèmes fondamentaux et des thèmes globaux. Qui sommes-nous en tant qu'êtres humains ? Ça n'était pas enseigné. Qu'est-ce que c'est que l'ère planétaire que nous vivons ? C'est pas enseigné. Affronter l'incertitude, c'est pas enseigné. Qu'est-ce que la compréhension ? Bon, je voulais introduire des thèmes et je ne voulais pas tellement examiner l'ensemble des dispositifs. Donc, je n'ai pas pensé du tout au sport. Mais aujourd'hui, si c'était à refaire ? Ben aujourd'hui, moi, j'essaye, pas en France, parce qu'il n'y a aucune chance, mais dans d'autres pays, de promouvoir un peu cette réforme, de changer les contenus à l'université, dans le secondaire et même dans le primaire. Eh bien, je le fais, mais si j'ai l'impression que le sport est enseigné, c'est très bien. Parce qu'il a sa place, au fond, dans cette redéfinition des disciplines, dans ce décloisonnement, dans cette façon, de la même manière que tout à l'heure vous avez fait éclater le dualisme de l'âme et du corps, oui. Par là même, il faut décloisonner d'un côté l'enseignement physique, sportif, et de l'autre l'enseignement des matières dites intellectuelles. C'est-à-dire que tout cela peut se redistribuer. Il y a un apprentissage des méthodes, aussi bien dans un cours d'éducation physique que dans un cours de philosophie. Ben, moi, je pense que moi, j'avais proposé des thèmes fondamentaux et globaux. Deux, une éducation de civilisation, c'est-à-dire la consommation, l'intoxication automobile, les médias, comment ça se fabrique, etc. Et je pense que dans cette éducation de civilisation, il faudrait mettre le sport. Vous avez raison. Vous avez fait du sport ? Quand j'étais gamin, j'étais un passionné du Tour de France. Quand j'avais 18-19 ans, je peux dire que c'est du sport, mais avec deux amis, on était partis en vélo faire un tour de la France. Enfin, de la France, à l'époque, était coupée en deux. Hein. Il y avait cette occupation de la zone sud. Et j'avais beaucoup aimé faire des étapes de 150 km, d'aller de Toulouse à Montpellier, de Montpellier à Nîmes. Enfin, non, ce que j'ai beaucoup pratiqué, mais est-ce que c'est un sport ? Je ne sais pas. Pas de façon sportive, c'était. Mais le vélo. Et si je fais du vélo, les 20 premiers kilomètres me fatiguent, je cherche mon souffle, je m'embête, je m'ennuie. Et puis au bout de 20 km, il y a une sorte de machine automatique qui se met en marche et j'éprouve un grand plaisir à être un automate. Donc le vélo, j'ai fait beaucoup de vélo,
J'appelle pas ça du sport. Pour moi, c'est pas du sport. C'est en tout cas pas du sport compétition. C'est un sport d'accomplissement. Là, nous retrouvons les catégories de l'accomplissement. Oui, mais dans mon esprit, c'était pas du sport. C'était vraiment une jouissance. C'était quelque chose que j'aimais en soi. Oui. Et vous opposez donc cette jouissance de l'exercice physique au sport? Non, je l'oppose pas. C'est que je ne pensais pas que je faisais du sport. Je faisais du sport sans savoir que M. Jourdain faisait de la prose. Voilà. Notre entretien prend place, trouve place dans un ensemble d'entretiens qui constitue une collection, un regard sur le sport. Et la particularité, au fond, de ces regards au pluriel sur le sport, c'est que ce sont des regards d'intellectuels, de chercheurs, de sociologues, de philosophes, de médecins, de spécialistes de neurophysiologie, etc. Cette multitude de regards, hein, non seulement enrichit la connaissance que nous avons du sport, mais peut-être est nécessaire pour simplement construire cet objet de connaissance. Qu'en pensez-vous ? Certainement, parce que le sport étant une chose multidimensionnelle, qui a des aspects économiques, sociaux, psychologiques, ludiques, physiques, etc., etc., il est évident qu'on peut le considérer sous ses différentes facettes, et qu'en plus, c'est en tant qu'objet complexe, et c'est pas un objet qui se présente dans une autonomie totale. Bien qu'il semble autonome dans la société, il est immergé dans les conditions économiques, sociales, politiques, etc. Donc, d'abord, je pense que le sport, comme toute chose, mérite une pluralité de regards. Le danger, c'est que des intellectuels qui ne se sont jamais intéressés au sport parce que leur semblait vulgaire, secondaire, aliénant, mercantile, s'ils s'intéressent au sport comme ça, ils risquent de ne voir que les aspects mauvais, qui sont réels, dont on a parlé. Je pense qu'une vraie réflexion devrait venir à la fois du dedans et du dehors. Il faut avoir connu l'ivresse du stade, je ne sais pas, et en même temps être capable de s'en détacher pour pouvoir en parler. Ce n'était pas un domaine où moi je me sentais intellectuel en dehors de cette chose purement physique ou purement ludique. Ça faisait partie de ce qui m'intéressait, ce qui me plaisait dans la vie. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre d'intellectuels réfléchissent sur le sport, non pas le sport en général, mais le sport qui devient le révélateur d'un certain nombre d'enjeux, non seulement sociaux, mais aussi d'enjeux philosophiques, sociologiques. Le sport pose des questions essentielles. Oui. Ben pour moi, la question essentielle, c'est Homo Ludens. C'est qu'est-ce qui, en nous, aime le jeu sous toutes ses formes. Aime la dépense, trouve son exaltation dans le jeu, enfin, cette partie de nous-mêmes qui est négligée dans l'anthropologie ou la sociologie banale, mais qui sait très bien si ça retrouve un intérêt.